un petit dernier coup dans ce Milan PSG, un drame pour certains. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, je vois pas de choses si graves. Bien sûr, il y a des défauts à corriger. On va en parler justement dans cette vidéo, mais pour moi, tout se joue sur voilà des détails entre guillemets qui sont bien sûr très importants, mais on est très loin d'une catastrophe dans le jeu, dans les joueurs que je peux voir voilà depuis un moment. Je vais en reparler un peu plus tard. Pour ça, pour l'instant, on va se lancer l'analyse donc en images. Comme si vous connaissez déjà, vous vous en doutez. Ceux qui savent pas, ben voilà, j'arrive, je prends quelques images, je fais des dessins dessus, je vous explique un peu ce que j'y vois, ce que j'en pense. Là, ce sera un peu différent des dernières. Là, souvent, j'ai fait une action complète, on va dire, beaucoup de détails, de machin. Là, ce sera quatre moments un peu figés où pour moi, voilà, le PSG gâche tout. Ce sera peut-être dans le titre. En tout cas, avant de démarrer ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Désolé pour ma caméra qui fait un peu des folies. J'essaie de comprendre pourquoi. Puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Je reviens très rapidement sur comment j'ai choisi ces images. À la base, je m'étais dit, le premier but de Milan, ça me dérange un peu qu'on se fasse transpercer comme ça. En plus, c'est même pas un contre, hein, c'est une relance de Mike Maignan. Le problème, c'est qu'il y a un ralenti, en fait, au moment sur les images, qu'on voit pas le début de l'action. On sait pas exactement comment est-ce qu'ils sortent du pressing, mais ils le font, et après, ça va très vite, la fin de l'action, tout le monde l'a vu, le comportement de Marquinhos, tout ça, Ugarte qui s'arrête, bon, j'avais pas beaucoup à dire. Et du coup, pendant que je faisais le reste de mon travail, j'ai laissé le match sur le côté pour voir ce qui allait se passer, et j'ai réalisé que je savais que Paris avait eu pas mal d'occasions en première mi-temps, mais en fait, pour moi, c'est les 4 que je vais vous montrer là, en 4 images, 4 très grosses occasions à 1-1, 4 très grosses occasions, surtout avant que Milan en ait une autre. Il y a des opportunités, ils attaquent quand même, mais c'est pas aussi dangereux pour moi, c'est 4 fois où le PSG se rate. C'est pas un super arrêt de Maignan ou de défense, c'est 4 ratés. Donc là, vous avez déjà le premier. Bon, je vais détailler un peu ce qui va être particulier d'habitude dans l'analyse où je parle de beaucoup de joueurs de déplacement et autres. Là, il y a des fois comme là où, désolé pour Mbappé, vraiment, c'est pas une vidéo contre lui à la base. Mais il va revenir souvent et c'est pas de ma faute, je suis désolé. Là, voilà, l'action, tout le monde l'a vu. Mbappé, il a le ballon. Enfin, il a le ballon. Il est à distance de le jouer, il l'a pas contrôlé, hein. C'est la passe de Dembélé qui arrive de là-bas, magnifique passe de Dembélé au passage. Et Maignan qui sort, désolé, bon il est un peu flou mais on le voit. Alors bon, voilà, là, Mbappé a tenté de laisser passer le ballon pour dribbler Maignan. C'est toujours dur à dire, c'est facile, fallait faire autre chose, on n'est pas là sur le terrain, ça va très vite à ce moment-là, ça se passe en même pas une seconde, de choisir entre contrôler, frapper et tout, mais le problème c'est que le haut niveau c'est aussi ça, c'est qu'ils doivent savoir faire ses choix très vite, les exécuter correctement en plus, parce que bon, si je savais faire tout ça, je serais sur le terrain, et Mbappé il est censé, voilà, son statut et autres, de toute façon, la Ligue des Champions c'est ça aussi, bah, Giroud il a mis sa tête, Léao il met son retourné qui est pas super beau, mais ça rentre, et là Mbappé aurait dû, entre guillemets, on peut en marquer tant, louper tant. Mais bah là, ce qui est triste, c'est que Maignan, en fait, là j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'infos parce que Maignan est déjà très en train de sortir avec les bras qui sont. Voilà, si on regarde bien, il est déjà en train de sortir sur la balle en fait. Tout son corps est tourné par là, donc tenter un dribble par là-bas en touchant pas la balle, c'est super rosé. Moi je dirais carrément que c'est voilà, c'est pas la bonne option, c'était dur de choisir assez vite, mais il a pas choisi la bonne. Là, on a le sentiment que s'il met juste un pointu par là-bas, il peut prendre Maignan à contre-pied. À la limite, s'il veut tenter un dribble. Là pour moi faut tenter la rupture, surtout qu'Mbappé a cette qualité de vitesse, d'appui, de changement de vitesse. Il peut tenter d'aller par là, je pense qu'il prend plus Maignan, qui est clairement déjà encore une fois en train de sortir par là pour moi. Donc voilà, il n'a pas fait le bon choix là-dessus. Je le dis déjà ici, je dois le dire dans la vidéo. Certains disent face au mauvais match de Mbappé, oui, mais il a toujours 3-4 défenseurs sur lui. Bon, là il est tout seul. Il a raté encore une fois, c'est pas gravissime, ça en fait pas un mauvais joueur. Mais là, il l'a raté. Voilà, c'est le PSG qui a raté, qui fait un bon match sinon, qui a créé une super occasion. L'action est rentrée. On se retrouve quelques minutes plus tard, toujours 1-1. Milan n'a toujours pas été super dangereux. Là, bon, c'est une occasion un peu moins nette que la première et que les deux autres pour moi. Mais quand même, là, il y a Hakimi qui est là-bas. Bon, il va tenter la frappe sur cette action. Elle n'est pas idiote, ça peut le faire. Mais l'angle est quand même assez compliqué. Hein. Maignan est tranquillement. Voilà, l'angle est tout petit. Pour marquer, j'ai un peu le sentiment qu'Hakimi a choisi un petit peu vite de tirer. Il aurait pu tenter autre chose. Il y a Colomboigny derrière. Alors on peut dire oui, c'est au moment où il tape la balle, mais il vient de regarder quand j'arrête l'image. En fait, il a essayé, il a regardé un petit peu autour de lui. J'ai l'impression que Colomboigny, on peut le trouver entre les deux. Après, Colomboigny peut frapper avec un meilleur angle, il peut redécaler sur Mbappé, il peut décaler là-bas sur Vitinha. Voilà, pour moi, il y a mieux à faire. Il y a aussi pas simple, parce qu'il a regardé, Mbappé fait l'appel, peut-être un centre un peu piqué que Mbappé aurait coupé. Peut-être, je sais pas si c'est plus simple que la frappe pour de vrai, sinon. On l'a déjà vu parfois, les grands moments, les grands joueurs, tout ce qu'on veut, un centre pour Vitinha, deuxième poteau. Il l'a regardé, encore une fois, il peut l'avoir vu avant. Là, c'est trop tard, mais juste avant, il a pris l'info, il a choisi de tirer. Un centre pour Vitinha, deuxième poteau, une reprise de volée face au but, tenter de construire autre chose. Voilà, peut-être qu'il se précipite un petit peu, même si, voilà, c'est pas le.
C'est peut-être plus un raté tactique que de choix, parce que là, il n'est pas facile, et son tir il peut être plus dangereux que ça. D'ailleurs, Maignan, ce qui est marrant, c'est que si Mbappé réussit, et si Hakimi réussit juste un peu plus son tir, mais pas trop, peut-être que Maignan la repousse vers Vitinha ou vers Mbappé, et il y a du monde dans la surface, ça j'aime bien. Là, c'est surtout pour ressouligner que le PSG a été dangereux. Oui, il a perdu 2-1, il y a des ratés, il y a tout ce qu'on veut, il y a des choses à corriger. Il n'a pas été ridicule sur la pelouse de Milan. Il y en a encore deux occasions pour voir qu'on aurait pu faire basculer la rampe. Voilà, on est un tout petit peu après encore Mbappé qui a le ballon. Je suis désolé pour lui, ça va revenir souvent, mais est-ce que ça va pas avec le fait qu'il rate son match? Peut-être, oui, sans doute, on en a déjà parlé hier. C'est mon avis, pour moi Mbappé rate le match. Là, je vais être d'accord avec un argument, il y a trois défenseurs autour de Mbappé, on peut même aller jusqu'à quatre hein, si on vise un peu large. Certes, ils sont trois autour de lui, là dribbler serait pas possible, d'ailleurs il l'essaye pas, merci, heureusement. Mais il a tout à fait le temps de jouer, parce qu'en fait il y a un joueur assez proche de lui, qui vient tout juste d'être proche de lui, les autres là, bah ça laisse de la place, surtout qu'il va centrer, il laisse tellement de la place. Là je trouve que c'est mal défendu moi par Milan, parce que bah, je crois que c'est Tomori qui est ici, qui couvre pas, bah il a pas l'air d'être tout à fait prêt à démarrer sur Hernandez, alors Mbappé, bon bah je sais pas, Hernandez qui passe derrière lui, ça devait être travaillé, c'est quelque chose, il y a moyen de le décaler pour qu'il y ait un centre facile devant le but, ou une grosse frappe même sur Maignan, enfin. Voilà, je trouve que la passe à gauche, c'est l'option la plus évidente, simple. Lui, il est pas prêt à défendre dessus. Lui, pas spécialement non plus. Alors, en décalage, Hernandez, il est sur son pied gauche. Il peut frapper. Je leur ai dit, il peut centrer Kolo Muani. Il y a Hakimi qui arrive. Et justement, il y a Hakimi qui arrive. C'est ce que Mbappé avait cherché. Est-ce que c'est parce que c'est Hakimi? Est-ce que c'est un bon appel? Je sais pas. Là où je le défends, c'est que je trouve qu'avec l'appel de Kolo Muani un peu comme ça et l'appel d'Hakimi ici, il y a un super centre à faire. Il est pas simple. C'est là où pour moi sur cette action c'est plus un souci de choix qu'une raison technique parce que voilà ce qui est là où ça va merder, je vais changer de couleur. Le centre d'Mbappé il va plutôt dans le dos, Hakimi n'arrive pas trop à la jouer, enfin il la touche un peu, mais voilà. Il n'y arrive pas, mais à la base il y a quelque chose de sympa. On peut tenter sur Kolo Muani qui est en train de passer devant. Et Hakimi, son appel il est super. Entre les deux défenseurs, là, ici, dans l'espace, on y va. S'il trouve Hakimi, Mbappé, ça peut faire un super but, c'est très bien. Le plus simple quand même, je trouve, c'était de décaler Hernandez. Ça fait peut-être moins but directement si on y arrive, mais elle est plutôt facile à jouer. Il peut y avoir après un 2 contre 2 dans l'axe, voire 2 contre 1, voilà, ça aurait été plus simple, mais on rate. Et encore une fois, je vais le dire, parce que je connais les gens qui réagissent trop vite, je vois encore sur les réseaux sociaux, on a perdu, on est nul. Là, c'est pas on a raté, on est nul, c'est on a raté. Mais je tiens à ressouligner qu'il y a eu des bonnes choses dans ce match, parce que l'action, on l'a créée, on n'a pas rien fait pendant cette rencontre. On a raté des choses clés, des choses dans les deux surfaces, des choses à pas rater. Mais c'était pas nul sur toute la ligne, juste bah là, c'est encore un raté, il nous en reste un. La dernière, pour moi, très grosse occasion, donc il y a une dizaine de minutes, hein, 4, quand même assez grosse occasion, il y a moyen de faire quelque chose, c'est encore Mbappé. Encore une fois, les 3-4 défenseurs, bah, on les voit pas trop, alors je crois que c'est encore Tomori, j'espère que je dis pas de bêtises, qui revient sur lui, qui le gêne. Mais Mbappé, en même temps, il ralentit sa course, j'ai l'impression, moi, personnellement, sur cette action, qu'il a hésité. Je dribble, je frappe en force, je sais pas trop, et à la fin, il fait un. C'est même pas un pointu, il fait une espèce d'intérieur bizarre qui va finir là-bas. J'ai l'impression qu'il a vraiment choisi. Peut-être que s'il met la première action ou si elle n'existe pas, et ben là il part sur un dribble net, précis, efficace. On sait pas, mais au moins il n'y va plus franchement. J'ai l'impression qu'il se laisse un peu rattraper, il sait pas trop ce qu'il va faire. Pour moi, il aurait pu attaquer un peu plus la balle, la jouer, voilà, très fort, pied droit, deuxième poteau. Peut-être frappe pied gauche, on sait jamais, il a pas un mauvais pied gauche, ou extérieur, quelque chose de plus net que son intérieur bizarre en tombant. Il peut même tenter de dribbler, il peut essayer de passer par là, parce que s'il passe l'épaule avant Tomori, c'est dur de défendre sur lui, peut-être qu'il obtient un penalty, peut-être un carton rouge, il y a moyen de faire quelque chose. Le dribble par là-bas, ouais, bof, parce que bah, déjà Maignan est plutôt déjà bien prêt à réagir, en plus il y a le défenseur qui vient sur lui dans ce sens-là. Voilà, pour moi là, il pourrait tenter d'accélérer par là-bas, après de finir sur son pied droit, il y a de la place, il peut passer devant son défenseur. Peut même obtenir un penalty, carton rouge, voilà, ce qui aurait peut-être été encore mieux que de marquer directement, ça c'est un autre débat, mais bon, il fait le mauvais geste, c'est comme ça, c'est le match où ça voulait pas, mais je me dirais pour la 50e fois peut-être de cette vidéo, surtout si vous avez regardé plusieurs fois, bravo à vous. Le PSG a eu des occasions, a fait des bonnes choses, mais ils ont raté, et l'efficacité, attention, ça veut pas dire que c'était un super match et c'était pas de chance, c'est pas de la chance là de rater, pour moi les poteaux ça peut jouer la chance, c'est 3 cm sur le pied. Là, c'est des mauvais choix, des choses ratées. Il y a des vrais ratés, il y a des choses à travailler, des choses à corriger. Mais quand je vois qu'il y a par exemple que Ugarte qui se prend des critiques, qui fait un très mauvais match, et Mbappé, il a beaucoup d'excuses, bon, bah, pour moi, sur ces occasions, il s'est juste raté. C'est comme ça, faut pouvoir le dire. Et non, alors, j'en profite, l'équipe qui a fait un article ce matin, oui, Mbappé a fait un mauvais match, mais il est sous-utilisé, le PSG attaque trop à droite, tout ça. Bon, faut arrêter, il a raté, il faut pouvoir le dire, c'est ça qui me fatigue, on peut pas dire que Mbappé a raté, juste, si, c'est comme ça, il a raté, d'autres joueurs ont raté, tout le jeu du PSG n'a pas été mauvais, il y a eu des très bonnes choses,
Non, bah, va falloir mettre ses buts parce que le très haut niveau, Ligue des Champions, c'est cette efficacité aussi. Et là, Milan était meilleur, sans être excellent non plus d'ailleurs, mais était meilleur. C'est comme ça. On a perdu. On espère que bah, pour les prochains matchs, on aura ce petit déclic, notamment Dembélé, cette fameuse barre qui arrive un peu après, mais il y a une autre occasion de Milan. De toute façon, la barre de Dembélé, je peux pas en dire grand-chose, mais surtout, il y a une autre occasion de Milan qui est assez dangereuse à France, pour ça qu'elle rentre pas dans cette vidéo. Mais évidemment, d'autres petits regrets comme ça. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait le maximum. Ça change un petit peu d'habitude comme façon de faire, mais bon, c'est sympa aussi. On se retrouvera demain pour le groupe, l'équipe AZ, nos pronostics pour Reims PSG. Très gros match avant la trêve, hein, le deuxième. Le PSG se déplace chez le quatrième. On sera là, on sera chaud. On espère bien finir avant la trêve. En tout cas, merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.